N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le jeudi 27 juin, Anne-Elisabeth Lemoine présidait de nouveau l'émission C'est à vous sur France 5. Lors de cette édition, elle accueillait l'acteur Pierre Ninet et les réalisateurs du film Le Comte de Monte-Cristo, occasion pour elle de clarifier certains points importants. Passionnée par ses invités, Anne-Elisabeth ne cache jamais son enthousiasme. Notamment le 21 juin, elle avait reçu Tomer Sisley pour discuter du nouveau film Largo Winch, qui sortira le 31 juillet 2024. Tomer Sisley était accompagné de l'acteur James Franco, venu parler de son rôle dans le film. Durant leur conversation, James Franco, observant attentivement l'animatrice, a noté qu'elle semblait particulièrement captivée par l'acteur américain. « Je peux vous assurer qu'il y a quelque chose de spécial avec James ici », avait-il commenté, provoquant une réaction spontanée d'Anne-Elisabeth. « Ah, mais je veux bien vous croire !» avant d'être interrompu par l'acteur. « On peut voir que vous êtes totalement absorbée », avait-il ajouté, ce à quoi elle avait timidement répondu par un « oui ». Le jeudi 27 juin, Anne-Elisabeth Lemoine recevait sur son plateau Pierre Ninet, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte pour évoquer la sortie imminente du film « Le Comte de Monte-Cristo », prévu exceptionnellement un vendredi 28 juin, dérogeant ainsi à la traditionnelle sortie du mercredi. Avant même l'arrivée de ses invités, l'animatrice avait vanté les mérites du film qui avait déjà conquis les critiques. « Demain, en salle », Le Comte de Monte-Cristo promet de nous transporter avec la même intensité que le roman légendaire d'Alexandre Dumas. C'est un triomphe annoncé, un film au budget conséquent et à la mise en scène spectaculaire. Une superproduction d'excellence portée par un acteur de la comédie française, déjà récompensé par un César, qui révèle une facette sombre et surprenante de son talent à travers son personnage, déclarait-elle avec enthousiasme. Lorsque Pierre Ninet et les réalisateurs ont rejoint le plateau, cela a donné l'occasion à Anne-Elisabeth de clarifier sa position après ses louanges envers l'acteur de 35 ans et son interprétation. « À ceux qui pourraient penser que j'en ai trop fait lors de votre introduction », commença-t-elle, avant de préciser « Premièrement, je ne suis pas tombée sous le charme de Pierre Ninet et deuxièmement, je n'ai aucun lien familial avec les réalisateurs ou les producteurs ». Il est essentiel de le souligner pour éviter tout soupçon de partialité. Une mise au point jugée nécessaire.